Salut! On est dans notre module pour apprendre les accords basiques pour bien débuter. Donc aujourd'hui, mi. On se rappelle que si on dit un mi sans rien préciser, ça sous-entend un mi majeur. Quand tu apprends un accord, repère ta fondamentale, construis ton accord, retiens le doigté et à chaque fois tu arpèges pour vérifier que toutes les notes sont claires, sont justes, sont bien faites. Et si tout est clair, tu peux strummer ton accord. Allez, c'est parti. On attaque par la corde de mi à vide. Bah ouais, tu joues la fondamentale, donc corde de mi à vide. Bon, ensuite on construit l'accord, deuxième étape. On y va ensemble, donc... corde de la, tu viens mettre ton majeur en case 2. Tu fais gaffe de ne pas te mettre peut-être trop près de la frette. Laisse un petit peu de place pour le doigt d'après parce qu'il est dans la même case. Donc corde de ré, je mets l'annulaire en case 2. Je serre bien mes deux doigts l'un contre l'autre pour avoir plus de force, plus de précision. Tu vois, on fait gaffe de ne pas avoir les doigts écartés comme ça parce qu'on risque de déborder. On groupe ses doigts comme un peu comme si on avait un lacet autour des deux. Clac, tes deux doigts, t'en fais qu'un. Donc, 0, corde de la, case 2 avec le majeur. Corde de ré, case 2 avec l'annulaire. On se met bien en pont, on appuie bien avec la pointe, on laisse de la place pour les doigts d'après. Corde de sol, index en case 1. Corde de si à vide, corde de mi à vide. Là, on vient de construire notre accord. Prends le temps qu'il faut pour bien te placer. Et après, troisième étape, on arpège. Si l'arpège est réussi, on strumme. Donc on arpège du grave vers l'aigu. 0, 2, 2, 1, 0, 0. On se rappelle que s'il y a un bug quelque part, souvent ça vient d'un doigt qui est trop à plat. Là, tu vois, mon index n'est pas en pont et du coup je bloque ma corde de si. Donc je viens me mettre en pont et ça libère la corde de si. Si j'ai ça, ce son, ça veut dire que j'appuie pas assez fort. Mon index, là, il fait le flemmard. J'appuie fort. Et si tu as ça, tu vois le son qui fait. Ça veut dire que ton doigté est bon, mais tu es en train de relâcher la pression sans t'en rendre compte. Position de pierre. Tu te mets, tu bouges pas. Tu dois pouvoir faire sonner ton accord comme ça jusqu'à ce qu'il s'éteigne complètement. Ça, c'est un bon exercice aussi à faire. Tu fais un accord, tu le strum et tu le laisses aller jusqu'au bout. Ce qu'on va faire, c'est que on va jouer à partir de la corde de ré. On joue pas le mi grave, on joue pas le la. On va mettre le majeur en case 2 sur la corde de ré. Et ça, c'est ma nouvelle fondamentale, d'accord? C'est un mi, si tu veux, qui aura pas la grosse basse de mi, puisque je joue pas les deux cordes graves. Majeur, case 2, corde de ré, et j'ai bien la note mi, j'ai bien ma fondamentale. Ensuite, corde de sol, je mets l'index en case 1. Corde de si à vide, corde de mi à vide. Quand je fais ça, j'ai un mi simplifié. Par contre, je perds un petit peu de basse, d'accord? Mais ça marche. Ça marche surtout des fois quand on fait des petits arpèges. Tu vois, ça peut être super sympa. Donc mi simplifié, juste à ce moment-là, il faut faire gaffe de ne pas jouer la corde de la. Donc, tu te rappelles de l'astuce, quand tu veux bloquer une corde, tu peux te servir du doigt, voilà, là c'est le majeur, qui va, bon bien sûr, pincer hein, la bonne corde, mais la pointe de mon doigt va effleurer la corde de la pour la bloquer. Comme ça, même si je la prends un peu, alors maintenant, on va essayer de comprendre et d'analyser un petit peu les notes qu'il y a dans notre mi. Alors, ce qui est, voilà, si accessoirement, c'est bien de connaître ces gammes. Hein. Quand tu fais la gamme de mi, tu as ça. Mi, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse, ré dièse, mi. Bon, on n'est pas là pour apprendre les gammes. Hein. C'est... Mais ça te permet de comprendre que mi, c'est ta tonique. Fa, c'est la seconde. Sol, donc mi, fa dièse, seconde. Sol dièse, tierce majeure. La, si. 1, 2, 3, tierce, 4,
5 quintes, mi, sol, dièse, si. Mi, fa dièse, sol, dièse, la tierce, la, si, la quinte. Mi, sol, dièse, si. On reprend notre accord et on analyse. Donc, la fondamentale, c'est mi. Ensuite, corde de la, j'ai le majeur en case 2, c'est la note si. C'est ma quinte. Ensuite, corde de ré, j'ai l'annulaire en case 2, c'est de nouveau mi, mon octave, donc ma tonique. Corde de sol, case 1, ben, corde de sol, si je rajoute un demi-ton, j'ai sol dièse, donc j'ai ma tierce majeure. On verra, pour aller au mi mineur, qu'il suffit d'enlever l'index finalement. Quand tu sais faire le mi majeur, tu sais faire le mi mineur. Voilà, bon, sol dièse, donc tierce majeure. Corde de si à vide, si c'est la quinte, et mi à vide dans les aigus, c'est de nouveau la tonique qui revient plus loin dans l'octave. Donc j'ai mi, si, la quinte, mi, sol dièse, la tierce, si, encore la quinte, et mi, et encore la tonique. Et là, tu as compris les notes qu'il y avait dans ton mi. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, bye!